Salut à tous, c'est le journal des kids à la neige et aujourd'hui on est aux arcs. Et ouais, c'est génial. Et vous allez voir ce qui vous attend, ça va être super. Hein. Hey, wow, hey, vite, dépêche-toi, rattrape-les. La tournée des kids à la neige fait étape aux arcs en Savoie. Avant de faire une balade en chien de traîneau, petit coup d'œil sur la station avec Raphaël. La station des arcs s'étend sur 4 sites bien définis, arc 1600, le petit village de Charmes, arc 1800, la sportive, arc 1950 avec sa belle architecture et arc 2000 pour le site d'altitude et le grand ski. Alors une des particularités de la station des arcs, c'est sa facilité d'accès. En effet, depuis le terminus TGV de Bourg-Saint-Maurice, vous avez la possibilité de profiter du funiculaire. Ce funiculaire vous emmènera jusqu'à Arc 1600 et après un système de navette gratuite va desservir Arc 1800, 1950 et 2000. C'est une station piétonne qui vous permet de venir profiter en famille des espaces dédiés et sécurisés pour les tout-petits, comme les tapis roulants, les espaces de luge ou les sites d'apprentissage pour les plus petits. Merci Raphaël pour ces infos. On retrouve maintenant Lina et Louis pour une balade en chien de traîneau. Salut Gulli, aujourd'hui Louis et moi on va vous faire découvrir les chiens de traîneau. Longtemps utilisés comme moyen de locomotion puis interdits, les chiens de traîneau font depuis peu leur grand retour en France. Moi j'aurais voulu savoir ce que c'est qu'un musher. Un musher c'est quelqu'un qui conduit d'abord un attelage. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe des chiens. Et puis qui s'est constitué un attelage et puis qui conduit le traîneau à travers différentes pistes. Dans les meilleures conditions et quand il fait bien froid, les attelages peuvent parcourir jusqu'à 40 km par jour et atteindre des vitesses de pointe de 30 km/h. Il existe plusieurs compétitions dans le monde, dont une qui traverse les Alpes franco-suisses, la Grande Odyssée. Quelle race de chien vous utilisez pour le traîneau ? On a des huskies, on a des huskies croisés groenlandais et puis un ou deux malas, voilà. Mais des chiens nordiques en tout cas. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai adoré quand le traîneau il est parti parce que ça allait super vite et c'était trop marrant. J'ai adoré conduire le traîneau. On laisse nos deux petits mushers finir leur balade et on file au village des kids à la neige. Au revoir Gulli. Le village des kids à la neige, c'est un espace réservé à des animations gratuites pour les enfants et les familles. Il y a des jeux de construction, des déguisements, des jeux de rapidité ou d'habileté. Il y a aussi le quiz des héros pour tester ses connaissances en famille. Comment s'appelle l'émission d'actualité de Gulli ? C'est une excellente réponse. Merci Gulli. Le village des kids à la neige, c'est aussi l'occasion de partager des moments avec Antoine, Nico et Andy du Big Jump. Et même de les défier dans les structures gonflables. Loupé. Ou encore danser. Attention comme moi. Toujours dans une grosse ambiance. Et oui, c'était le journal des kids à la neige. On était aux arcs. Et la prochaine édition. À la Toussuire. À la Toussuire. Et oui, bon, faut qu'on sorte de ce labyrinthe. Il est où, Antoine ? Je sais pas où il est, Antoine. Antoine ? Ouais, je suis là.